Bonjour tout le monde, à nouveau SwissLens pour le premier SwissLens Live TV. Désolé, on a eu quelques soucis de connexion précédemment. La 4G est un peu difficile en ce moment. On vous a préparé ce petit programme court et interactif. Le but, c'est d'échanger avec vous tous. Aujourd'hui, sur le sujet du premier rendez-vous en orthokératologie. Donc, n'hésitez pas, donnez votre avis, donnez-nous d'autres idées, hein. On est tous là pour apprendre. Et je me présente succinctement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle donc Pierre Brémond, je suis en charge des relations commerciales chez SwissLens, francophone en règle générale, et je m'investis beaucoup dans la recherche et le développement pour l'orthokératologie. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai donc Guillaume Calmette. Bonjour. Donc, je suis Guillaume Calmette, je suis responsable produit chez SwissLens et également membre du service technique. Donc, c'est sur moi que vous tombez quand vous appelez le service technique SwissLens. Aujourd'hui, en plus de l'orthoca surtout, pardon, je vais juste vous rappeler juste deux, trois choses en cette période de crise. Donc, nous, SwissLens a mis en place le télétravail depuis le 10 mars. Donc, ça plus d'un mois et demi que nous sommes en télétravail. Pour assurer la continuité de ce service, toutes nos équipes sont en télétravail, toutes les équipes marketing et techniques. Aujourd'hui, à ce jour, nous conservons toujours un délai de traitement de commandes et de livraison qui reste correct, même si vous avez pu remarquer peut-être un tout petit peu quelques délais. Peut-être aussi vous avez pu remarquer si vous nous appeliez qu'il y avait quelques moments difficiles pour nous avoir, mais en général en nous rappelant ou en nous envoyant un email, ça se passe beaucoup mieux. Toutes les fabrications et les livraisons sont assurées. On a mis en place un système d'équipe tournante en fabrication et en livraison pour livrer le plus possible tous les clients. On a d'ailleurs mis en place en fait un nouveau système pour la livraison. On propose aujourd'hui le service de livraison à domicile. Exactement. On a mis en place ce service, c'est-à-dire que vous commandez volontiers comme d'habitude. Simplement, après votre commande, vous avez un formulaire que vous pouvez télécharger sur notre site pour indiquer l'adresse de livraison de votre patient. La livraison se fait avec la poste hein, directement, comme ça au moins vos patients sont livrés. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'orthokératologie, surtout au niveau du premier rendez-vous. Donc là, j'ai laissé un tout petit peu la parole à Pierre qui est le grand spécialiste. Bon, spécialiste, non, mais disons que je fais beaucoup d'orthokératologie moi-même. Au cabinet et je dirais que le premier rendez-vous c'est un des rendez-vous les plus importants, celui sur lequel on va avoir deux profils de patients. Le patient qui est informé, qui vient spécialement pour l'orthokératologie et donc on cherche à répondre à sa demande. Et il y a un deuxième profil de patient, celui qui n'est pas informé, qui ne connaît pas l'orthokératologie, et celui-ci ça va être notre rôle de l'informer quand on juge nécessaire de l'en informer. Savoir identifier le bon patient à équiper en orthokératologie. Pour cela, en fait, on propose des aides à afficher, hein, des posters, des flyers, en salle d'attente, par exemple, ou dans votre espace de consultation. Pour les commander, Guillaume, tu maîtrises le... Exactement. Alors c'est très simple. Sur demande, on vous envoie une liste des différentes possibilités de posters et il suffit juste de remplir le bon de commande et vous les recevez gratuitement chez vous directement depuis l'imprimeur. Donc comme ça, vous avez quelque chose qui a été tout à fait ce que vous avez choisi. Au niveau... Voilà. Ouais, pardon, Pierre, vas-y. Non, bah j'enchaîne du coup, parce qu'une fois qu'on a donc un candidat qui semble idéal pour l'orthokératologie, je dirais qu'il faut être certain d'aller au bout de l'adaptation. C'est pas proposer l'orthoka à tout le monde, c'est pas le but.
Je dirais que si on la propose, c'est être certain que ça va fonctionner. Donc, moi, les patients qui ne viennent pas pour ça à l'origine, je les guide vers l'ortoca quand ils sont sur des myopies plutôt moyennes, inférieures à 5 dioptries, des astigmatismes réguliers, assez faibles, qui sont en corrélation avec la topographie, et puis ensuite s'il y a un terrain d'évolution de la myopie, évidemment. Donc surtout les enfants aussi. Essentiellement les enfants. Aujourd'hui, la majeure partie de la population équipée en ortoca, c'est des jeunes, pas forcément des enfants en très bas âge, mais disons entre 10 et 25 ans. C'est la majeure partie de la population. Ouais. Oui, puis comme ça, on peut, en fait, en plus, on peut mettre en place tout ce qui est management de la myopie sur les jeunes, surtout ben, voilà, les jeunes étudiants ou enfants. Hein. Exactement. Bon, sur l'ortoca, on a un système qui est dédié au contrôle de la myopie, qui existe déjà depuis de nombreuses années, et qui permet d'optimiser l'adaptation, de la customiser. Hein, vraiment, on vient améliorer le design par défaut de la lentille. Ok. Et après, est-ce que... moi, dans les patients aussi qui me demandent, on retrouve aussi les gens qui ont un problème avec les lentilles souples. Ils en ont un peu marre, ils les supportent moins bien dans la journée. Donc ça peut être aussi assez intéressant. Tout à fait. Les personnes qui ont des inconforts en lentilles souples peuvent être équipées en ortoca parce que le confort est radicalement différent. La lentille est portée pendant la nuit et donc le confort est bien meilleur. Ça a beau être une lentille flexible, une fois la paupière fermée, la lentille est quasiment indolore. Okay. Maintenant, une fois qu'on a bien sélectionné son patient, qu'il est parti pour l'ortoca, il va être important de faire les bons examens. Donc ça, pour ça, il y a une sorte de guide. Hein. Commencer par la réfraction lunette, classique. Je pense que tout le monde maîtrise l'examen réfractif. Il n'y a rien de plus... de différents en fait hein, pour l'ortoca. On fait son examen lunette, on fait sa distance vers œil, sphère, cylindre, axe, voilà. Ensuite, l'élément le plus important de la commande, ça va être la topographie. Ouais, effectivement, la topographie, donc ça, nous au service technique, nous avons à peu près 90% des logiciels des topographes. Donc vous pouvez soit nous envoyer bon, des captures d'écran si vous pensez qu'on ne l'a pas, mais sinon la plupart des fichiers d'exportation nous pose aucun problème pour les lire. Il y a quand même 2-3 choses à faire attention quand on les reçoit, parce que souvent on peut recevoir énormément de mesures qui ne sont pas forcément bonnes. La mesure automatique, en mode automatique dans les kératographes, et c'est vraiment, ça devient la norme, et c'est ce qui permet quand même de limiter les problèmes de mise au point, hein, parce que c'est une des choses que toi tu rencontres aussi, Pierre, de temps en temps. Alors, vu qu'on a souvent une population plutôt jeune, c'est vrai que c'est des enfants qui sont assez... qui bougent, hein, ils sont pleins de vie. Donc, j'essaye d'être le plus directif possible pour les canaliser. L'examen topographique est censé être fait de manière assez précise et c'est ce qui va permettre de calculer la lentille derrière. Donc je leur demande d'être un peu comme chez le dentiste, hein, de serrer les dents, de bien appuyer le menton sur la mentonnière, de bien appuyer le front sur l'appui-tête et de cligner 2-3 fois et enfin d'être le plus fixe possible à regarder la cible à l'intérieur de l'appareil et là on fait la mesure automatique comme tu le disais. Exactement. Et il ne faut pas avoir peur d'être assez directif avec votre patient à ce moment-là, tout en restant tout à fait, bien sûr très professionnel, mais soyez directif parce que c'est quand même cet examen-là qui va déterminer les paramètres des lentilles. Si ces paramètres-là sont mal pris ou il a trop bougé ou des choses comme ça, on part sur quelque chose de compliqué et souvent ça se solde par un échec. Donc vraiment, n'hésitez pas, soyez assez directif en leur expliquant que c'est vraiment une des mesures les plus importantes. Oui, et puis une fois qu'on a fait sa mesure, il faut être en capacité de l'analyser, c'est-à-dire que d'observer en fait ce qu'on a pris comme topographie. Est-ce que les larmes étaient de bonne qualité, suffisantes? Est-ce que les mires de Placido sont esthétiques et donnent une belle mesure?
Est-ce que la surface de la cornée était suffisamment grande? Les paupières supérieures font souvent de l'ombre. Voilà, c'est ces petites astuces qui font qu'on sait si on doit refaire l'examen. Et moi, je préconise de le refaire 3 fois au minimum. Exactement. On voit là où il y a 3-4 mesures. C'est là où vraiment ça permet de vérifier que les valeurs de choréotométrie et d'excentricité sont similaires sur chaque topo, parce que des fois on se retrouve avec une excentricité sur la première mesure qui est négative, donc qui est quand même c'est très bizarre, des choses comme ça. Donc ça, il ne faut pas hésiter à regarder et voilà, vérifier que à quelques centièmes près, vous avez la même valeur de choréotométrie, vous avez la même valeur d'excentricité pour chaque topo. Et là, du coup, ça permet quand même d'avoir de partir sur de bonnes bases pour la commande de la première lentille d'Antocar. Oui, ça fiabilise la commande en fait. Le calcul, et on est sûr des bonnes valeurs des départs. Ensuite, on a le diamètre cornéen. Et le diamètre cornéen, il est souvent donné par le topographe. Moi, je le mesure à la règle sur le topographe en axe oblique. Ça me permet de voir vraiment le bord du limbe de chaque côté. Maintenant, je trouve que dans certaines commandes que l'on reçoit, les topographes donnent soit des mesures très aberrantes, soit toujours la même mesure. C'est assez marrant, ils donnent toujours 12 mm, quel que soit l'œil qui est derrière. Donc là, moi... ouais, je confirme. Ouais, c'est souvent, on reçoit, quel que soit le topographe, hein, c'est cette mesure de diamètre 12, 12-1. Pour toutes les cornées. Donc il y a quelque chose, il faut vérifier effectivement la mesure du diamètre au réglé. Moi je pense qu'effectivement c'est un des meilleurs moyens, c'est ce qu'on apprend, on sait tous le faire, donc il faut pas hésiter, ça prend pas très longtemps et puis en fait ça, vraiment ça confirme ce qu'on calcule. Oui, c'est ça, c'est juste en fait un moyen de se rassurer sur la mesure qu'on a sur le topographe et puis encore une fois faire confiance dans son appareil mais pas tout lui pardonner, c'est-à-dire que juste être attentif en fait. Donc soit le réglet, moi j'aime bien c'est le faire derrière la lampe à fente avec un grossissement plutôt moyen et puis je mets le réglet devant l'œil, ça marche bien. Sinon ouais. Avec les réglets de demi diamètre aussi ça. Ouais exactement, on a sur les deux, réglets de demi diamètre ça aussi ça marche très bien et les deux sont tout à fait intéressants. En bonus, ouais, pardon. Ouais, du coup, j'allais enchaîner avec justement le diamètre pupillaire, qui est plutôt réservé à qu'un certain nombre d'adaptations. On en a besoin pour les presbyties et puis. Et pour les relax. Oui. Presbytie, relax. Alors, on va dire que la relax, c'est très important. Ça nous permet vraiment de nous optimiser la partie périphérie du design pour pouvoir vraiment avoir le défocus périphérie qui est vraiment nécessaire, puis surtout au bon endroit. C'est-à-dire que vraiment, s'il est au mauvais endroit, vous vous retrouvez avec des effets trop petits, des effets d'halo qui gênent vraiment le porteur. Trop grand, ben, ça ne le gêne pas, il voit très bien, mais c'est complètement inutile. En presbytie, également aussi, ouais. Bah, la presbytie, c'est d'ailleurs primordial, en fait. Et puis de le prendre dans de bonnes conditions lumineuses, pas dans les complètement scotopiques, pas complètement photopiques, mais vraiment en mésopiques. Exactement. C'est ce qui nous est le plus intéressant, en fait, pour évaluer le diamètre pupillaire. Et au niveau des logiciels de topographe, donc on l'a dit, hein, mais on possède tous les logiciels, quasiment. On est en mesure d'importer vos topographies et de les traiter directement. C'est pour cela en fait que le choix, le tri des bonnes mesures est important de faire en amont parce que ça permet de fiabiliser aussi la chaîne chez nous. Si on ne reçoit qu'une topo mais qu'on sait qu'elle est bonne, c'est plus simple. Eh ben, je crois que là, Pierre, on arrive à peu près au bout de notre live. Oui. Premier live qui a commencé un peu difficilement, mais bon, ça, on sait que c'est le problème de la 4G de temps en temps. J'espère que vous avez tous apprécié ce qu'on a essayé de faire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose que
on est amené à faire de plus en plus souvent. Et puis, pour la communication, on va dire jour le jour, c'est ce qui est de quand même le plus utilisé par, par nous pour vous prévenir qu'est-ce qui se passe chez SwissLens. Oui, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux classiques, on est présent. On vous souhaite une très bonne soirée. On vous souhaite également d'être sains et saufs chez vous, que votre famille l'est également. Et on se revoit très bientôt. À bientôt.